Il fallait que le texte et la voix off reviennent dans le journal filmé. Je ne sais pas expliquer pourquoi, mais il le fallait. Pour dire quoi? Quel mot dans les images? L'éternelle question. J'ai renoncé à chercher des réponses. C'est vide. Le distributeur est vide. Qu'est-ce que tu veux que j'en prenne deux? Rien. Il fallait que les mots reviennent, j'entends, que les morts reviennent, d'entre les images quotidiennes, répétitives, banales, mais jamais la même lumière. C'est peut-être pour cela que je filme, pour enregistrer la lumière qui n'est jamais la même, puisqu'elle ne fait que passer. À quelle vitesse déjà? Environ 300 000 km par seconde. 8 minutes et des poussières pour parcourir la distance entre le soleil et la terre. Ça aurait pu être la durée du journal filmé. J'entends que les morts reviennent. Le cinéma nous permet peut-être de converser avec nos morts. Ce que nous dit Edgar Morin dans son essai, Le cinéma ou l'homme imaginaire. À l'image, il semble impossible de pouvoir différencier qui est mort, qui est vivant. Un vivant peut parler avec un mort et un mort avec un vivant. En filmant, j'apprends à vivre avec les ombres. Alors que j'écris ces mots, que j'enregistre cette voix off sur des images anciennes, ces images et ces sons d'il y a 19 mois, je dois me rendre à l'évidence, aussi longtemps que je tiendrai ce journal filmé, je ne parviendrai jamais à rattraper le temps.